Salut, on se retrouve pour une septième partie. Avec le petit gamin, ça, normalement, la septième, vous devez au moins savoir les autres épisodes, hein, ou alors vous avez loupé un épisode. Bon, septième, qu'est-ce qui s'est passé pour le résumé? J'ai vendu Capoue au Sénat. Je me suis réfugié sur la Sicile, où j'ai conquis les trois Siciles. Sicile grecque, Sicile carthaginoise, Sicile romaine, ça on l'a déjà au départ. Après, durant cela, quand j'ai conquis l'Ilibé, il restait plus que la Sicile grecque. La Sicile grecque a été attaquée par les Bruti, envers, d'autres Romains, dont j'ai dû déclarer la guerre aux Bruti pour prendre Syracuse. On a eu deux grandes batailles. La bataille de diversion qui s'est déroulée là, et la bataille finale qui s'est déroulée là, dans le port de Syracuse. Suivi de cela, j'ai voulu faire une expansion vers l'ouest, Carthage, mais plus vers le nord, parce que j'ai vu que Carthage était grandement protégé, donc je ne pouvais pas encore pour l'instant. J'ai attaqué l'Apsus. Un général doté de beaucoup d'hommes d'arrivée et m'a repoussé vers les frontières de l'Epsimania. Pendant ce temps-là, j'ai envoyé une autre flotte attaquer la Crète et Héraclion. Mais ça ne l'a pas suffi. Oui, capitaine ? Et... oui, mon capitaine ! À l'attaque ! Retraite, retraite ! Et nous avons perdu notre général. Donc, on se retrouve pour une vidéo, pour une septième partie, pour vous montrer l'aspect défense d'un village au milieu de nulle part. C'est très compliqué. Oui, mon capitaine. D'abord, oui, mon capitaine. Pour toutes, il y a deux sortes d'attaques. L'attaque par la mer. L'attaque par la terre. Il y a aussi l'attaque par corruption, mais ça on ne la verra pas parce que je interdis cette option là.